On goûte un peu ça. Hop. Voilà. Ah, juste une lichette. Oui. Voilà. On sait une Hop. couleur. Ah, c'est beau. Non, c'est pas mauvais, hein. Franchement. Ah oui. Mais j'ai bien comme ça que je l'entendais. Allez. Santé. Suite, santé. Moi, j'aime bien. Alors, Qu'est-ce c'est que vous vrai en que c'est pas trop pensez? fort. Non. Et j'essaye de savoir à quoi c'est. Il y a plein de choses hein, dedans. Il y a du rhum, Ouais. il y a du gingembre, il y a. Ouais. Je crois qu'il y a même du bois bandé. On vous avait dit ça là. Je sais pas si ça vous. Et Il y a ça vient tout un tas de d'où? choses. Elle est Ça marrante en vient plus. d'une épicerie qui est juste à côté, là, qui s'appelle le comptoir de Mathilde. Et ils font des produits C'est anciens comme drôle que ça. tu puisses la poser à plat aussi. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Quand elle est Ouais, c'est pas bouchée. mal. Ah oui, ça sert à ça. J'avais pas Ah ben compris je moi. pense, moi, Je sais pourquoi elle est coupée là. Il manque un bout. tu peux la Ah poser comme ça. ouais, c'est génial. Ah oui, Comme c'est c'est génial. Oh, beau. c'est beau comme ça. C'est magnifique. Voilà, tiens, je vais mettre la caméra là-bas. Ouais, voilà. Bon plan. C'est bon? Ça Ouais, tourne? ouais. Ok, eh ben, Alors, enchanté. bonjour Antoine. On peut t'appeler Antoine. Ben, c'est comme Antoine, ça que ma c'est bon. mère m'appelle, en tout cas. Alors, j'ai plein de questions, hein, voilà, parce que Oui. vraiment, alors moi je suis un admiratif hein, inconditionné de toutes vos émissions depuis le début. Et alors, j'ai une question que je me pose, c'est comment vous avez eu l'idée au départ de faire cette émission? Alors ça, c'est une histoire un peu compliquée parce que il y a plein de choses qui m'ont poussé à faire cette émission. Et je résumerai en disant un peu rapidement que je faisais des documentaires d'expéditions scientifiques et des films animaliers avec des gros budgets, mais pas beaucoup de liberté. Et j'ai eu envie de retrouver ma liberté. Ça, c'est une raison. La deuxième, c'est que j'avais envie de faire des portraits de gens normaux. Je filmais sans arrêt des gens exceptionnels. J'avais envie de filmer des gens plus normaux. La troisième raison, c'est que j'avais envie de faire quelque chose tout seul. Parce que j'avais été caméraman, réalisateur, ingénieur du son, présentateur. Je me disais, mais je peux filmer tout seul, pourquoi pas? Donc ça, plus ça, plus ça, plus le fait que mes parents accueillaient souvent des inconnus à la maison, etc. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Et j'ai essayé et ça a marché. Donc c'était parce que moi je pensais que vous voyagiez Bien et puis sûr. qu'au bout d'un moment vous vous êtes dit tiens Oui, bien sûr. là, c'est ça en Ah ben fait. oui, tous Ouais. ces films animaliers, ces films d'expéditions Oui, scientifiques, d'accord. c'était des voyages. D'accord. Et vous vous souvenez quel pays, par quoi vous avez commencé l'émission? Le Quel pays? Mali. Le Mali, Le d'accord. Mali parce que c'est un pays francophone qui est exotique pour nous les Français, parce que l'exotisme c'est relatif, et que je me suis dit que, et que les gens sont très sympas. Donc je trouvais que c'était le bon pays pour commencer. D'accord. Alors bon, ça c'est une chose, mais après, il faut convaincre les chaînes de Ah télévision. ben ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché. Non. Ça n'a pas marché du tout. D'accord. Il n'y a qu'une chaîne qui m'a suivi, c'est Voyage. Ah ouais. Une petite chaîne qui a disparu, qui était sur le câble. Et sans Voyage, l'émission n'existerait pas. Mais c'est vraiment grâce à cette chaîne-là. Ouais. D'accord. Et petit à petit, fil en Ah ben aiguille, après, il y a eu tout ça. Canal+. Canal+, qui... Donc Ensuite, il y a. vous avez persévéré en Ah fait, c'est oui, moi ça? je Vous même au êtes. début j'étais même pas payé parce qu'on n'avait pas assez d'argent, mais Ah, après j'ai travaillé. Enfin après il y a France 5 qui a pris et d'accord. maintenant c'est RMC Découverte. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et Donc France en 5 fait un la peu aussi. série, mais ils ont pas. Non, ils Non? Ah, ils rediffusent. rediffusent, oui, Mais ils veulent d'accord. pas continuer. Mais c'est pas grave parce que je suis plus têtu. Donc je continue. Voilà. C'est bien ça. Alors, autre chose aussi, question que je me pose, c'est le matériel. Comment vous avez conçu ce système que Oh, vous c'est pas êtes le très seul, en compliqué. fait. Oui, mais vous êtes le seul à faire ça. Oui, il y en a qui ont un peu copié pour essayer de faire des choses, puis finalement ils n'ont pas persévéré. Non? Oui, je voulais poser la question aussi. Il n'y a pas eu Si, il y a des gens qui ont il y a des essayé, gens mais qui ont c'est pas allé essayé. loin. Et donc, le matériel, ça correspondait juste à ce dont j'avais besoin pour pouvoir partir seul, parce que je voulais vraiment partir seul. Voilà. D'accord. Mais alors, vous avez confectionné ça tout seul? Ah non, j'ai tout fait Non, faire. tout fait faire, Ah oui, c'est sur fait par des mesure. ingénieurs Ah ouais. qui connaissent leur boulot. Ah ouais. Une petite boîte qui s'appelle Horus Horus, et ouais. qui a très bien fait le travail. Ah ouais. Et alors, moi, ce que je me demande aussi, c'est quand vous dormez des fois dans des endroits improbables comme ça, enfin, Oui. bon, chez des gens, vous ne les connaissez pas, bon, ils vous accueillent, mais
Je pense que les gens prennent plus de risques que moi. Ah bon? Ben oui. Mais parce que moi, je sais ce que je fais, j'ai l'habitude de voyager, de rencontrer des gens, j'ai une certaine expérience. Ouais. Et quelqu'un qui t'accueille chez lui alors qu'il ne te connaît pas du tout, eh ben c'est lui qui fait un vrai acte de confiance. Ah ouais. D'accord. Et donc, non, je pense que. Moi, j'ai l'impression que je prends moins de risques qu'eux. Mais je sais pas, par exemple, moi, j'aurais peur qu'on vous vole le matériel quand vous dormez. Mais eux, par exemple, auraient bien peur qu'on leur vole leurs affaires chez eux. Mais ça vous est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui vous vole comme ça dans des pays. Et j'ai jamais volé non plus chez les gens. Ça, je m'en doute. Est-ce qu'il y a eu des choses que vous n'avez pas passées? Pratiquement pas. Mais non, parce que tout ce qui m'arrive. Plus c'est quelque chose de fort, plus il y a de raison de le passer. Même si ça se passe mal pour moi, ça n'aurait pas de sens de cacher ça. Au contraire, il faut D'accord. le montrer. D'accord. Et même les échecs. Oui. Parce que les échecs donnent la crédibilité au succès. Si tu ne montres que les moments où tu gagnes, on ne te croit plus. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Donc tout est montré, il n'y a pas de... Le maximum. D'abord, il y a des choses que je ne peux pas mettre parce que je n'ai pas la durée. Oui. L'épisode serait trop long. Oui. Et puis, parfois, il y a des choses que je n'ai pas mises parce que ça n'avait pas d'intérêt. Ou alors pour protéger des gens. Alors justement, j'ai aussi cette question. En fait, c'est une question d'un internaute, en fait, qui a vu votre spectacle. Et il dit, vous dites à un moment donné que vous filmez les gens intéressants. Mais c'est quoi des gens intéressants? C'est pas une science exacte, en fait, il y a déjà les gens qui se livrent plus. Oui. Les gens qui restent comme ça sur la réserve et qui ne disent rien, je suis désolé, mais pour une émission de télévision, ils sont moins intéressants. Ouais. Ouais, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressants dans la réalité, dans la vie, mais pour moi, ils ne vont me servir à rien. Si le gars reste comme ça, fermé, mutique et bloqué... Vous avez un hôtel, vous avez quelque chose? Alors, ça dépend. Il n'y a pas de règle. En général, moi, j'ai 25 kilos de bagages. Oui. Ah, donc, je prends un hôtel et je pose mes affaires à l'hôtel. Et après, je sors. Ça, ce n'est pas une règle immuable. Il arrive que j'ai une voiture et que je n'ai pas d'hôtel, ou que j'ai une moto et que je n'ai pas d'hôtel, parce que j'ai une certaine latitude pour me déplacer. Mais le fait que je sois à l'hôtel, je le dis dans plein d'épisodes. C'est pas Pékin Express, c'est pas je sais pas quoi. Quand il y a des endroits où ne pas trouver d'hôtel, en fait, j'imagine. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je ne cache pas le fait que je pose mes affaires dans un hôtel. Mon but, c'est pas de savoir si je dors dehors ou chez quelqu'un, mon but est de savoir si je vais rencontrer quelqu'un d'intéressant, qui va être rayonnant, lumineux, qui va nous emmener, qui va nous raconter des trucs qui vont nous intéresser. Et parfois, il y a des journées où il se passe rien. Bien sûr, j'imagine. Et parfois, il y a une journée où je fais le quart de l'épisode. Ah oui, d'accord. En quelques heures. Ah, ok. Parce que la rencontre, elle est magique, parce qu'elle est, elle est forte. Et parfois, en 16-18 heures, j'ai le quart de l'épisode. Est-ce qu'il y a des pays que vous aimeriez visiter, que vous n'avez pas encore visité? Bien sûr. Il y a les pays où on ne peut pas aller. Ah oui, oui. Il y a la Corée du Nord, qui sera sûrement passionnant. Ce serait passionnant. Bien sûr, si je peux y aller un jour, je vais y aller. Il y en a plein. J'aurais bien aimé faire un tour en Antarctique. Je pense qu'on n'aura pas les moyens. Mais là-bas, c'est des bases de recherche. Donc, j'aurais pas fait un vrai géant dans ma chambre où tu peux pas arriver comme ça à l'autre bout de la Terre. C'est des trucs que tu es obligé de préparer. Mais ça aurait été très intéressant. D'accord. Je sais pas si je pourrais le faire. On verra. Bon, on verra, c'est possible. Peut-être pour le numéro 75, parce que... Ouais. Là, c'est 75? Là, j'en suis à 67. 67, d'accord. Mmh. Et vous avez des projets encore de continuer? Bien sûr, je continue, j'arrive du Paraguay. Du Paraguay, d'accord. Comment vous choisissez en fait les pays? Mes envies, point final. Point final, d'accord. Vous êtes instinctif en fait sur tout. Oui, oui. C'est ça le truc. Oui, oui. Et je décide un peu au dernier moment. Décidez au dernier moment. D'accord. Et en France aussi, vous avez fait, hein? J'ai fait ça en France. Je vais refaire des choses. C'est difficile, non, d'être dans son pays? Non, ça s'était pas mal passé. Ouais. Bon, et maintenant je vais essayer de faire d'autres trucs. Il y a un truc qui va sortir au mois de novembre, je pense, qui va s'appeler J'irai dormir chez les Gaulois. C'est tourné en France. Ouais. Ça va être. C'est bien. Alors évidemment, je suis connu, mais dans ces cas-là, je fais pas la même chose que quand je suis à l'autre bout de la Terre.
j'essaye d'aller rencontrer des gens qu'on ne filme pas souvent. Alors, question aussi qui me turlupine, et alors, par rapport à la vie privée, vous êtes tout le temps en voyage Non, je ne suis pas tout le temps en voyage. Vous avez une vie privée, des enfants, des familles. J'ai une fille qui est grande et qui n'a plus besoin de son papa. D'accord, ok. Et donc, ce n'est pas gênant, en fait. Voilà, non, mais de toute façon, je suis parti 15 jours. Oui, c'est 15 jours. Oui, un tournage, c'est 15 jours. C'est ça que je voulais vous poser comme question. Je reviens pendant un mois ou deux mois. Donc, pas plus de 15 jours à chaque fois. Non, c'est rare. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que bon. Parce que ça suffit. Ça suffit. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez jamais dit, que vous pourriez nous dire sur l'émission ? Faut qu'on ait des internautes. Non, j'ai pas de trucs. En tout cas, ça me vient pas à l'esprit là tout de suite. Mais moi, je dis un peu beaucoup de choses. Ouais, vous dites beaucoup de choses. Oui, oui. Oui, je dis les choses. J'ai pas trop une langue de bois. Ouais, c'est bien. C'est ce qu'on sent en fait. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Et alors là, c'est le théâtre du coup. Alors c'est pas du théâtre, c'est une conférence. Ça marche très très bien d'ailleurs. Hein. Bah c'est plein. Et donc, alors, qu'on soit clair, c'est au Rouge-Gorge. Alors, le Rouge-Gorge, il reste encore le 26. Le 26. À 14h30 et à 18h30. Et il faut se dépêcher de prendre des places si on veut venir. Parce que hier, on a refusé du monde. Et il y a quand même 200 places. Et sinon, l'autre salle, c'est le théâtre de l'archipel. Le théâtre de l'archipel, je le dis bien parce que, comme j'avais répété. C'est rue des Teinturiers, ça, non ? Non, c'est tout près, c'est rue de la Porte de Loul, des Remparts de Loul. Ah oui, on est rempart. Et c'est une petite salle, là. J'ai que 77 places. C'est plein assez régulièrement. Si on veut y aller, il faut vraiment, vraiment réserver. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé de faire d'aller au festival ? Ce spectacle me permet de raconter ce que j'ai fait avant J'irai dormir chez vous et ce qui m'a permis de faire J'irai dormir chez vous. Parce que c'est une émission qui est quand même pas évidente, partir tout seul, vraiment tout seul. Dans des pays qui sont plus ou moins compliqués. Et si j'avais pas eu cette autre vie avant, reportage de guerre, film animalier, film d'expédition scientifique, je suis pas sûr que j'aurais eu le courage et les compétences pour le faire. Ouais. On dirait pas, mais il faut être costaud quand même physiquement. Et cette conférence, en fait, comme c'était des films que je faisais, je les montre. Donc sur une heure et demie, il y a 50 minutes d'images. Et on va se retrouver à 5000 mètres de fond. On va se retrouver sur la cime des arbres en Amazonie, on va se retrouver dans des gouffres de glace au Groenland, on va se retrouver à Beyrouth pendant la guerre, on va se retrouver dans un volcan pour aller chercher de la lave. Donc tout ça, c'est incroyable. Ouais. Ah oui, c'est une vie riche. Vraiment. Ouais. Vous avez une vie riche. Oui, c'était bien. Qu'est-ce qui vous motive, en fait, au fond ? C'est quoi ? Profiter de la vie. Ah oui ? Oui. Oui, clairement. Enfin, on peut profiter de la vie dans sa cuisine. Mais ça dépend ce qu'on aime. Moi, je vais vous dire franchement, dans une cuisine, je vais m'ennuyer. Hein. Oui, d'accord. Non, une fois que tu as fait à manger. Vous ne faites pas la cuisine ? Si, mais si, ça ne prend pas longtemps. D'accord. Vous avez besoin de. Bien sûr. D'adrénaline un peu. Donc, c'est ça, ça dépend. Chacun voit. Oui, mais oui. La cuisine, pour moi, ce n'est pas l'endroit où j'ai envie de passer ma vie. Donc, mais que ça convienne à d'autres, j'en suis ravi. Mais il faut profiter de la vie, c'est ça. Oui. C'est le message. Et moi, d'en profiter, c'est le message du spectacle. Hein. De toute façon, c'est le thème du spectacle. Mais c'est ce que j'ai retenu. Moi, j'ai compris très jeune que j'avais qu'une vie. Là, je veux bien entamer cette vie-là. Si j'en mets, il y en a une deuxième, on verra, c'est du bonus. Mais je ne suis pas parti dans l'hypothèse que j'allais profiter de la seconde. Hein. Vous n'allez jamais vous arrêter. C'est la première vie qui compte, pas la seconde. Vous n'allez jamais vous arrêter. Enfin, tant que ce sera possible, c'est ça. Vous allez le faire. Progressivement, vous ne dites faire pas, je vais prendre ma retraite, maintenant c'est j'y suis depuis deux ans. Ah oui, vous êtes à la retraite. Je suis à la retraite depuis deux ans. Ah, c'est une belle retraite. J'ai pris moins de vacances qu'avant. Donc, je pense que je suis encore occupé. Formidable. Donc, on aura le plaisir de vous revoir encore. Ah, sur les... Oui, tout à fait. À la télé. Et je vais repartir. C'est magnifique. Non, c'est bien. Ah oui, j'ai une dernière petite question par rapport à la fiction que vous avez fait, que j'ai regardé sur France 5. J'irai mourir dans les Carpates. Oui, ça m'a étonné que vous fassiez une fiction. Oui. Parce que d'habitude, vous faites plutôt du réel. C'est pour ça que j'ai eu du mal. C'est pour ça que j'ai eu du mal à vendre ce film et que j'ai dû me battre. Mais de toute façon, toute ma vie, je me suis battu contre tout le monde. Parce que j'aime bien faire des trucs originaux qui ressemblent à pas ce qui s'est fait. Et effectivement, ce film, c'est une histoire qui est totalement mise en scène et qui repose complètement sur cette émission « J'irai dormir chez vous » qui est totalement improvisée. Donc c'était tellement contradictoire. Une émission
improvisé avec un film complètement mis en scène. Il n'y a pas un plan qui n'est pas mis en scène hein, dans le film. Oui. Eh bien, personne pensait que ça marcherait. Et ça a marché. Et ça m'a motivé à mort. Ouais. Et je suis ravi, il est passé sur France 5 récemment et il est toujours en replay c'est bien, pendant tout le mois de juillet. Bien aimé, c'est vrai qu'on est. Donc, non, je on suit l'histoire et tout ça, mais c'est bien l'idée des détails. Et je me suis amusé. Ouais, ah oui, vous êtes amusé. Et puis ce qui me plaît, c'est que c'est une enquête dans les images, puisque, bon, je dis très rapidement, c'est la monteuse de l'émission qui décide de finir un film alors que moi j'ai eu un accident de voiture dans une rivière et que j'ai disparu, et qui va découvrir des indices dans les images. Elle décide donc de faire le montage avec les images et elle va découvrir tout ce qui s'est passé ou en tout cas la clé d'histoire dans les images, mais elle ne le voit pas tout de suite. Elle le voit parce qu'elle creuse dans les images. Et ce que j'aimais dans mon scénario, c'est que le spectateur a vu tous les indices en même temps qu'elle. Mais on ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas évidents. Et c'est seulement quand on revient dans les images qu'on découvre. Et ce film, moi je suis très content parce que tu le vois une première fois, tu comprends l'intrigue, tu te fais emmener, et après tu le regardes une deuxième fois et tu vérifies que tous les indices ils étaient là et que tu ne les avais pas vus. Ça vous arrive ça des fois quand vous voyez vos rushs de dire « Tout à fait. J'avais pas vu ça ». Non, tout à fait. Ouais, j'étais d'accord. C'est Nicaragua, mais il vient de passer. Mais on ne voit pas le truc. Mais au montage, le monteur me fait remarquer, je pars un moment dans la montagne avec un propriétaire terrien. Eh bien, à un moment, on voit qu'il a un pistolet. Il a un pistolet pour s'il y avait quelque chose qui se passait mal avec, j'en sais rien, les tribus indiennes, ou j'en sais rien, je ne sais pas quels sont ses problèmes à lui. Mais moi, je ne l'ai pas vu du tout au tournage. Mais le monteur, lui, il m'a dit, tiens, regarde, à un moment, t'avais vu ça? Je dis, bah non. Il valait mieux pas le voir. Eh bien, c'est ça. Ce film, j'irai voir dans les Carpates, c'est ça l'idée. C'est une super idée. Voilà. Alors, dernière petite question, c'est une question de Kate aussi, une internaute qui nous suit. Elle vous l'a envoyé en messagerie, je ne sais pas si vous l'avez lu. Elle voudrait savoir si vous... c'est sa question, hein. Moi, je ne suis pas responsable. C'est Kate hein, qui... Bon, bah, Kate, vas-y. Kate vous demande si vous feriez, j'irai dormir dans l'espace un jour. Ah, mais moi, je très sincèrement, oui. Ouais, c'est vrai. Mais on ne me proposera jamais. J'aurai pourquoi jamais l'occasion. Ben, on verra. Ben, avec priori, les progrès... Mais attendez, j'irai jamais mettre 200 000 euros pour aller faire un tour dans l'espace. Hein. Moi, si je vais dans l'espace, c'est pour filmer. Et si j'y vais pour filmer, c'est que je ne paye pas ma place. Et là, c'est quel budget, les émissions? J'en sais rien. Trois fois rien? Non, c'est pas trois fois rien, si, parce qu'il faut faire le montage et tout ça. Ouais. Mais j'en sais rien. Très bien. Voilà. Bon, ben, merci, c'était sympa. On se reprend une petite goutte. Je ne reprends pas une petite goutte parce que moi, je suis sur scène à 22h40. Il faut que j'assure. Et il faut absolument aller voir. Voilà. Parce que c'est réservé, super. Réservé. Il faut réserver à l'avance. Hein, ah oui, c'est plein. Merci Antoine. Merci pour l'accueil. Merci. À bientôt. À bientôt.